Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin encore pour donc toujours notre travail, la notion de travail sur soi. Et donc on était en plein dans cette notion de Hakkarat HaTov, cette notion d'exprimer sa reconnaissance. Donc hier, on a longuement développé l'importance d'exprimer, de verbaliser. Et que la verbalisation, ce n'est pas juste pour l'autre, c'est aussi pour nous-mêmes. C'est-à-dire quand nous-mêmes, on s'entend exprimer à voix haute de la reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un, eh bien, ça renforce encore plus à l'intérieur de nous cette conscience de tout ce que l'autre nous apporte. Et on avait donné ce fameux exemple, quand on sort de chez soi le matin et qu'il s'est passé quelque chose de bien, eh bien, c'est rare de s'entendre dire à voix haute combien c'est extraordinaire, comment on était content, combien l'autre est génial. Eh bien, il faut justement prendre l'habitude de s'entendre dire à voix haute, et même pas juste par rapport à notre conjoint, par rapport à des collaborateurs, par rapport à des enfants, pour installer encore plus cette notion. Ça, c'est ce qu'on avait vu longuement hier. Maintenant, la question qu'on avait posée, et on va la reprendre, c'est pourquoi, au fond, eh bien, on n'a pas cette tendance de manière naturelle. Pourquoi, de manière générale, on a plus tendance à être dans l'ingratitude que la gratitude. Et donc on reprend là où on s'était arrêté hier. Eh bien, on avait vu que cette chose-là fait partie malheureusement de la nature profonde de l'humain, puisque le verset nous dit « Vayered Hashem lirot et eir v'et amigdal asher banu bnei Adam ». Dieu est descendu pour voir la ville et la tour qu'avaient construit les fils de l'homme, d'accord? De l'homme. C'est comme ça que dit le verset. Pardonnez-moi. Et Rashi nous précisait, pour bien insister sur le fait que c'était cette tour de Babel qu'avaient construit les descendants de l'homme bien connu, c'est-à-dire de Adam Harishon, du premier humain que la terre a porté. Pourquoi? Parce que Rashi nous dit, eh bien voilà, la Torah nous dit, regardez, ce sont malheureusement, entre guillemets, les dignes descendants, entre guillemets, d'Adam Harishon, du premier humain. Parce qu'ils font preuve d'ingratitude. Pourquoi? Parce que la tour de Babel s'est créée cette tour pour s'opposer à Dieu, pour se révolter contre Dieu, pour dire à Dieu, t'es sympa, t'existes, mais on n'est pas intéressé à ce que tu fasses partie de notre vie. Hein. Faut pas oublier que l'histoire de la tour de Babel, c'est pas le déni de Dieu. C'est tout simplement le fait de dire Dieu existe, mais il est là-haut. On va faire la guerre et on lui dit reste surtout là-haut, c'est-à-dire on veut bien le concept. Mais on ne veut pas du tout que tu t'introduises dans notre vie, c'est-à-dire que notre vie ne doit pas se gérer avec cet état de conscience qu'il y a un créateur de l'univers. On veut bien accepter le concept, mais ça ne doit pas avoir un impact par rapport à notre vie. Et cette tour de Babel, comme on l'avait vu hier, ce sont les briques du savoir, ce sont les briques de la connaissance. C'est cette connaissance qui donne à l'individu l'illusion de l'indépendance. Et qui lui dit, eh bien, je mets Dieu de côté et le reste, je gère. Et ils ont oublié que s'ils sont là, c'est parce que tout simplement, ils sont sauvés du déluge. Et donc, notre texte nous dit, ils sont les dignes descendants de Adam qui lui aussi a fait preuve d'ingratitude lorsque Dieu lui a dit, tu as consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il dit, c'est Ève. Ok, très bien, on s'est arrêté ici. Et là, évidemment, il y a une question. Et c'est quoi la question? Ben, écoutez, je vais vous poser le problème. Si demain je vous dis, voilà, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Adam et de Ève. Dieu a dit à Adam de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam a transmis le message. Ève a été, entre guillemets, séduite par le serpent qui lui dit, mais non, pas du tout, etc., etc. Et concrètement, ce qui s'est passé, eh bien, Ève a consommé et a vu que ben, cette consommation ne générait strictement rien de négatif, et donc se tourne vers Adam et dit à Adam, ben, vas-y, consomme. Et Adam consomme et suite à ça, Dieu sanctionne. Maintenant, Dieu se tourne vers Adam et dit, Adam, je comprends pas, je t'avais dit de pas consommer, c'est quoi cette histoire? Et Adam dit, ah ben non. C'est elle, hein, c'est Ève. Comment vous allez définir ici l'attitude de Adam? Est-ce que vous allez a priori dire que c'est un ingrat? A priori, ce n'est pas le premier mot qui nous viendrait à l'esprit. On aurait plus tendance à dire,
Adam, il a balancé, il n'a pas assumé, c'est un dénonciateur. Voilà, on aurait dit d'autres mots, ou alors c'est honteux, il n'assume pas, il cherche à trouver un autre coupable que lui. Mais en quoi ici, il y a cette notion d'ingratitude? Or, on nous dit bien, Adam fait preuve d'ingratitude, en dehors du fait qu'il dénonce, etc. Mais en quoi c'est de l'ingratitude? Alors, nos Chachamim nous le disent. Et évidemment, de là, on apprend quelque chose de très intéressant. C'est que c'est vrai, Adam, c'est Ève qui t'a proposé. Personne ne va dire le contraire. Mais attends, Adam. Là, tu es en train de pointer un doigt accusateur sur Ève. C'est-à-dire que tu es en train de réduire Ève, Chava, à quelqu'un qui t'a fait faire une faute. D'accord? Quelqu'un qui t'a amené à transgresser. Mais Adam, tu sembles oublier que Ève, ce n'est pas que cela. Chava, tu étais profondément heureux lorsque tu l'as vu apparaître dans ton histoire. Chava t'a apporté énormément de choses. On est d'accord. Donc pourquoi tu es en train de réduire Chava à la personne qui t'a amené à consommer le fruit? Et de là, on voit que cette notion d'ingratitude dans la tradition juive, c'est quoi? C'est comme on l'a vu déjà hier, c'est l'oubli de tout ce que l'autre nous apporte de positif. Le point de départ de l'ingratitude, c'est lorsque l'on se focalise sur un élément de dysfonctionnement de l'autre en mettant totalement de côté tous les éléments positifs que cette personne nous a apportés. C'est ça la racine de l'ingratitude. Parce que, évidemment, comme on l'a vu, dans tout monde de relations, nous verrons en permanence quelque chose qui ne va pas dans l'attitude de l'autre. On le sait, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Bien sûr, c'est pas vrai. J'ai connu des maîtres, ils tendaient vers la perfection. Des gens incroyables. Mais bon, je parle de vous et moi, quoi, de nous. Eh bien, on sait très bien qu'il y aura toujours des choses qui ne vont pas. Il y aura toujours un moment, une parole, une manière d'être, une réaction, un modèle de fonctionnement qui ne sera pas bon. Eh bien, l'ingratitude, c'est de vouloir s'arrêter sur cela. C'est ça le départ de l'ingratitude. C'est à un moment de vouloir conditionner la relation et de l'organiser autour d'un point de dysfonctionnement et d'être dans un total oubli de tout ce que l'autre peut nous apporter de positif et nous apporter de positif. Et c'est ça que Dieu dit. Il dit au fond, l'ingratitude de la génération de la tour de Babel. Ça, c'est l'ingratitude, on va dire, plus classique. Vous vous révoltez contre celui qui vous a sauvé. C'est honteux. Mais il dit, mais au fond, c'est quoi la racine? C'est Adam. Et c'est quoi Adam? C'est le fait d'avoir oublié, de ne pas vous être arrêté sur tout ce qui va. Si, en effet, la génération de la tour de Babel avait gardé clairement à l'intérieur d'elle ce souvenir qu'ils sont le fruit du sauvetage, du déluge, et qu'en vérité, Dieu les a sauvés, etc., etc., cette conscience permanente, pardonnez-moi, de tout ce que Dieu leur a apporté, évidemment, ne les aurait pas amenés à vouloir se révolter contre lui et à dire « on se moque de toi, on te met de côté et on fait ce qu'on veut ». Pourquoi? Parce qu'ils auraient entretenu cette dimension positive de tout ce que Dieu leur a apporté. Et c'est exactement le même problème que Adam. Si Adam avait gardé de manière claire cette conscience de tout ce que Chava lui a apporté, au moment où Dieu lui a dit « tu as consommé », il aurait dû dire « oui, j'ai consommé ». C'est vrai. Maintenant, il se trouve que c'est Chava. Mais il n'aurait pas pointé un doigt accusateur en disant « c'est elle, c'est de sa faute », etc., etc. Parce que comment peux-tu enfermer l'autre dans un point négatif si tu te rappelles de tous les points positifs que l'autre a pu t'apporter? Et d'ailleurs, je vais essayer de retraduire ça de manière très concrète. Regardez, essayez d'imaginer qu'on est convoqué à un moment
par un directeur d'école parce qu'un de nos enfants a fait une bêtise, un de nos enfants a fait une erreur. D'accord ? Et objectivement parlant, c'est vrai. Il nous dit, voilà, il a fait telle et telle chose. C'est-à-dire, on ne peut pas dire non, on ne peut pas dire non, mais attendez, non, non. C'est... Les faits sont là, sont avérés. Mais en tant que parent, qu'est-ce qu'on dira ? On dira, oui, mais par ailleurs, regardez, c'est un gentil enfant, et quand il y a des sorties, il aide les autres, et de manière générale, il est ceci, il est ceci, il est cela. C'est-à-dire, on essayera de ne pas l'enfermer juste sur ce point-là. Donc voilà, malheureusement, le point de départ de l'ingratitude, c'est que l'on oublie, on oublie, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut éteindre les micros, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut éteindre les micros, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Ça, c'est déjà le premier point. Second point, j'te sibot yeshna nedavar. Il faut savoir qu'il y a deux choses au fond qui sont aussi très profondément présentes par rapport à l'ingratitude. Muskal rishon b'adam, shakol mouvan me'elav be'olam, vakol magialo. Ce qui se passe aussi, c'est que on s'habitue à penser que chez nous tout est normal et que tout est un dû et que tout est censé fonctionner normalement. Pourquoi ? Regardez, essayons de nous rappeler. Alors, c'est vrai que ça va être un peu difficile de s'en rappeler techniquement parce que je vais nous demander de faire un retour en arrière à l'époque où nous étions nourrissons. Mais essayons de nous mettre dans la tête d'un nourrisson. Un nourrisson. On est d'accord ? Depuis qu'il est né, à quoi il est habitué ? À ce qu'on réponde présent à toutes ses demandes. On est d'accord ? Le nourrisson est là, il est 1h du matin, 5h du matin, 3h de l'après-midi, il est là, il a un besoin, d'accord ? Il a un besoin de manger, un besoin de boire, un besoin d'être changé, un besoin d'un câlin, un besoin de ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il fait ? Il crie, et qu'est-ce qu'il voit ? Je vous prie de m'excuser, et qu'est-ce qu'il voit arriver de manière générale ? Un ou deux adultes qui sont là, et qui essayent par tous les moyens et à la fois d'identifier le besoin et d'y répondre. Et on a rarement vu un nourrisson dire « Merci, c'est gentil !» Et de manière générale, quand il commence à grandir et qu'il commence à sourire, généralement, il sourit plus au biberon qu'à nous. Mais nous, on a envie de s'imaginer qu'il nous sourit à nous. Mais en vérité, c'est au biberon qu'il sourit. Il est très, très content de voir arriver son biberon. Et donc, l'enfant s'habitue à ce que j'ai besoin. On répond présent à mes besoins. D'ailleurs, vous constaterez que quand l'enfant commence à grandir, avancer en âge, et qu'on décide de ne pas répondre immédiatement à ses besoins comme auparavant, c'est bon, ça va, il a 8 mois, 12 mois, 14 mois, 16 mois, il est là et il hurle. Il hurle et nous, on ne vient pas tout de suite. Et il est là, mais c'est quoi cette histoire ? Mais ça ne va pas du tout là. C'est quoi ce système ? Mais quand j'appelle, on vient. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente la sono. Et généralement, d'ailleurs, ça marche. On vient. Alors qu'en vérité, c'est l'âge dans lequel on doit lui dire « Mon chéri, on a parfaitement entendu que tu voulais qu'on vienne, on arrivera mais un peu plus tard. » C'est-à-dire, on commence à l'habituer à cette notion que, eh bien, « en akol magialo », que rien ne lui est dû de manière évidente et normale. Que quand il était nourrisson, qu'il dépendait de nous, évidemment, mais que maintenant, eh bien, cette idée que « magiali, ça me revient, c'est mon droit », c'est quelque chose qui n'est pas si évident que cela. Mais rappelons-nous que nous avons grandi de cette manière et que souvent d'ailleurs, malheureusement, beaucoup de parents font cette erreur. C'est-à-dire, eh bien, habituent l'enfant à ce que, pour lui, il a des droits. Il a des droits. C'est vrai qu'on vit dans la société des droits de l'homme. Alors que pour la Torah, on ne vit pas dans la société des droits de l'homme, on vit dans la société des devoirs. La question que tu dois te poser dans la vie, ce n'est pas quels sont tes droits, c'est quels sont tes devoirs, quelles sont tes obligations. D'ailleurs, on le sait parfaitement dans un couple, la question qu'on doit se poser, ce n'est pas de savoir quels sont nos droits, c'est quels sont nos devoirs. Si un mari réfléchit à quelles sont ses obligations vis-à-vis de son épouse,
Et si une épouse réfléchit quelles sont ses obligations vis-à-vis de son mari, et obligation pas dans le sens pesant, obligé, c'est-à-dire quels sont ses devoirs vis-à-vis de l'autre, et que chacun réfléchit dans le principe du devoir, évidemment que les choses ne seraient pas les mêmes, dans une société aussi d'ailleurs. Si je réfléchis quels sont mes devoirs et mes obligations vis-à-vis de mon patron, et que mon patron réfléchit à la même chose vis-à-vis de moi, je peux vous garantir que la société fonctionnera de manière merveilleuse. Le problème, c'est quand chacun réfléchit à ses droits et ne pose pas la question de ses devoirs. Donc c'est vrai que la première raison pour laquelle malheureusement nous avons tendance à être dans cette absence de gratitude, c'est parce que tout simplement nous avons souvent été habitués à penser que nous avons des droits et que c'est normal. Vous avez des enfants pour qui c'est normal. C'est-à-dire pour eux, je veux un habit, j'ai un habit, je veux des chaussures, je veux des chaussures, je veux qu'on m'amène en voiture, on va en voiture, je veux monter sur le manège, on m'a donné le manège. Souvent les parents malheureusement font cette erreur de céder, d'accord, mais ne se rendent en disant ça va, c'est bon, c'est pas grave. Surtout vous savez quand ce sont des personnes qui ont les moyens, elles disent ça va, c'est bon, c'est pas grand chose, c'est pas cher, etc., etc. Mais en vérité, on rend à l'enfant le plus mauvais service qui soit. Pourquoi ? Parce que l'enfant considère que c'est normal. Que c'est normal. Et parfois il dira merci parce qu'il a compris que pour pouvoir obtenir une seconde fois, il faut dire merci papa, merci maman. Et que ça nous fait tellement plaisir qu'il dit génial, ils sont très contents et comme ça, et hop, je peux obtenir encore quelque chose d'autre. Avec tout le respect que je dois à tous les parents du monde, et j'ai fait partie de ces parents et j'en fais partie même si les enfants ont grandi, c'est une erreur. On rend le plus mauvais service à nos enfants et surtout, je peux vous garantir, à leur futur couple. Parce qu'ils peuvent arriver avec cet état d'esprit que c'est normal, Magui Ali. Et vous avez des femmes, des hommes aussi, hein, qu'on soit bien clair. Là, je prends l'exemple de femmes, c'est la même chose. Non, mais je ne comprends pas, mais c'est normal, mais c'est normal, mais c'est normal, mais tu dois, mais c'est normal. Rien n'est normal. Rien n'est normal. On ne te doit rien. « Oui, mais je ne comprends pas, mais c'est normal, mais tout le monde, etc. » Ça, c'est un état d'esprit que la Torah ne veut pas. « Lo magia lo haklum » tu n'as aucun droit. Dis merci sur chaque détail. J'ai quelqu'un de ma famille qui m'a raconté l'histoire suivante. Il m'a dit qu'il était un jour, il s'est retrouvé dans un appartement. Et cet appartement, c'était un appartement que visitaient des parents, deux parents, pour pouvoir... l'offrir pour leurs enfants qui allaient se marier. Alors, ils n'allaient pas tout payer, mais ils allaient mettre une belle somme des deux côtés. Et il me raconte, il me dit, il voit le jeune homme et la jeune fille qui sont là. Oui, non, mais la cuisine, je ne sais pas trop. Il les a gardés, il a eu envie de leur dire, mais tais-toi et dis merci. Et non, pour eux, c'est normal. Ben, on se marie, mais c'est normal. Et tu as vu le bijou et c'est normal. Qui a dit une chose pareille ? Et ça, c'est une des choses les pires qui soient. Parce que l'absence de gratitude fait qu'on ne voit pas tout ce que l'autre nous apporte. Et c'est le début de la fin d'une véritable relation. Rendez service au futur couple de vos enfants. Habituez-les à ne pas voir ce qu'ils ont comme étant normal. Habituez-les à ne pas recevoir nécessairement parce qu'ils demandent. Et quand ils ont, leur faire prendre conscience qu'ils ont de la chance et qu'ils doivent dire merci. Oui, tu as du coca à table, tu as un steak, eh bien oui, merci. Ah, mais je ne comprends pas, mais... Non. Merci Hachem, merci mes parents, j'apprécie. Et qu'ils l'expriment et qu'ils le ressentent. Ils y arriveront d'autant mieux... que s'il voit que c'est l'état d'esprit que l'on a à la maison et qui passe à travers des choses très simples. Un papa qui dit à maman « Ah, c'est super gentil, merci beaucoup d'avoir fait ça. » Et maman qui dit « Ah, c'est gentil de ne pas avoir oublié. » les parents qui disent aux enfants « Ah, c'est super sympa d'avoir fait ce qu'on vous a demandé, etc. etc. » Que ces mots-là fassent partie du vocabulaire, fassent partie de la respiration qui est présente à l'intérieur d'une famille. Et cette idée-là, souvent les parents ils se sentent coupables vis-à-vis des enfants, et voire même ils les achètent.
vous leur rendez le plus mauvais service. Pourtant, les enfants seront très contents hein, quand ils ont, et c'est normal, et c'est normal. Rappelez-vous, rappelez-vous, vos enfants vous aimeront pour les raisons pour lesquelles ils ne vous ont pas aimé. Et ils ne vous aimeront pas pour les raisons pour lesquelles ils vous ont aimé. Un enfant qui considère que tout est normal sera malheureux par la suite. Il y a des gens qui, Baruch HaShem, Dieu leur a donné des beaux moyens. Superbe, Baruch HaShem. Ils vont voyager. Et pour eux, voyager, c'est voyager en business. Ça fait partie de leur standing, ils l'ont toujours fait. Mazal Tov, Baruch HaShem, il n'y a aucun problème. Mais ils ont des enfants. Ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais pour eux, on a toujours voyagé en business, on était dans les salons. Ok, arrêtez-vous et dites à vos enfants, vous savez, on a beaucoup de chance et il faut dire merci à Hachem et à papa qui travaillent et grâce à lui, on peut ou grâce à maman, etc., etc. Et on a de la chance et il faut être content et vous savez, on pourrait aussi voyager là-bas derrière, ça serait aussi très très bien. Et les habituer à savoir apprécier ce qu'ils ont le plus tôt possible. Sinon après, vous avez ça, ces jeunes gens, ces jeunes filles qui arrivent en disant « Non, mais je ne comprends pas, le repas, le truc, le machin, etc. etc. » Leur vie n'est pas une vie, elle est totalement centrée autour d'eux-mêmes parce qu'ils pensent qu'ils sont dans un monde dans lequel ils ont tous les droits. Tu n'as aucun droit, tu n'as que des devoirs. On peut vivre dans le luxe, mais savoir apprécier, savoir dire merci, dire qu'on a de la chance, qu'on est content, que ça crée des responsabilités par la suite, et que même si un jour on n'a pas ça, ça peut être quand même très très bien quand même, etc. etc. Je suis désolé d'avoir un peu insisté sur cela, mais c'est quelque chose de super fondamental, de fondamental dans cette notion de Hakarat HaTov qui détermine un état d'esprit pendant toute notre vie. Alors, moi je me rappelle, il y a quelques années, à l'époque où j'avais encore une voiture qui marchait, on avait acheté une 206 d'occasion, mais elle avait la clim. La clim, la 206, elle avait la clim, oui, je m'en rappelle encore. Et c'est extraordinaire, parce que 206, c'est vrai que c'est pas très grand, mais c'était parfait, Baruch HaShem, c'était génial, mais il y avait la clim. Et je me rappelle, comme dans la voiture qu'on avait auparavant, il n'y avait pas de clim, et qu'on était, ben, grâce à Dieu, avec les enfants, il faisait bien chaud. Je me rappelle comment on s'arrêtait, quand il commençait à faire chaud, waouh, c'est super, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est super, c'est génial. Tu es dans ta voiture, et il fait chaud dehors, tu rentres et tu te sens bien. Mais c'est extraordinaire. Et c'est pas du tout Cosette. Non, on peut être dans une Cadillac, dans un truc. Juste savoir s'arrêter et apprécier et dire merci et être content, même si c'est normal, même si on a les moyens, même etc. Il n'y a aucun problème. Juste ressentir profondément cette sensation de reconnaissance. Donc la première difficulté, comme on a vu, c'est parce que très tôt, eh bien, on a grandi dans un univers dans lequel on pensait que tout est normal, que tout est habituel, que tout doit fonctionner comme cela. Alors qu'en vérité, eh bien non, rien n'est normal, tout est cadeau, il faut savoir l'habituer, en prendre conscience. La seconde, donc ça, c'est ce que, d'ailleurs, ce que le verset nous dit, Maïtonen ha'adam chai, de quoi l'individu se plaint chai alors qu'il vit. Et c'est vrai que, quand grâce à Dieu, on vit et on est en bonne santé, mais c'est déjà extraordinaire. S'habituer à cela. Iloyou amevinim kenakol mouvan melav, vrikol machanou motzim baolam itzorkenu atava vachesed, haïta bemet mitrabechi bavriout baolam, vain makirim ki baolam shel chesed anou chaim, kacher. Hakarazu nelmet mitanu nyekol haolam afor, kol echad oserak avodato vochol mocher oserak larviach. C'est sûr et certain que si on crée cet état d'esprit, on vit
les choses de manière totalement différente. Et c'est vrai que c'est un état d'esprit à créer. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on ressent les bienfaits de tout ce que l'on a, même quand ceux-ci proviennent d'autres personnes, et que ces autres personnes-là, pour pouvoir nous procurer ces bienfaits, eh bien, qu'on le veuille ou pas, ont dû nous faire payer. On en avait parlé, vous rappelez, à propos d'un serveur. Mais je vais vous donner un autre exemple. C'est l'hiver, il fait froid et il pleut. Et on trouve un taxi, et le taxi s'arrête et nous amène. Qu'on le veuille ou pas, c'est un moment de bonheur. On est content. Grâce à lui, on va pouvoir faire un trajet d'un endroit A à un endroit B. Et ce trajet-là, on va pouvoir le faire dans des bonnes conditions de confort. On va payer, c'est vrai. Cet état d'esprit-là, de voir chaque chose comme étant un cadeau, de voir chaque chose comme étant quelque chose qui est positif, c'est ce qui va nous aider à renforcer encore plus cette dimension de Karatatov, de reconnaissance. Et Behemet, hier je rapportais l'histoire du Rav Dessler, le propre des grands du peuple juif, c'est, et grand, c'est pas nécessairement quelqu'un avec une grande barbe, hein, et c'est pas nécessairement qu'un homme, qu'on soit bien clair, des grands, des personnes qui sont grandes, c'est justement cette sensation de Karatatov, cette sensation de reconnaissance qu'ils ont par rapport à toutes celles et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, leur ont apporté quelque chose dans leur vie, et de s'en rappeler, et de réaliser que parfois quelqu'un a fait une petite chose il y a 15 ans, 20 ans, il a mis en place un processus, et ce processus nous a permis d'accéder à des choses incroyablement belles. Ne jamais oublier qui est à la racine de l'action. Ne jamais oublier qu'en vérité, eh bien, moi je racontais un truc tout simple, et Behemet, cette qualité-là, j'aimerais la voir vraiment. Mais juste pour rappeler un point, je me rappelle, il y a quelques années, pas mal d'années de cela, eh bien, quand un jour je donnais un cours et deux personnes sont venues me voir, je crois que c'était deux dames, qui sont venues, qui m'ont dit, vous savez, ça serait bien, il n'y a pas de cours d'éducation, etc. Et donc elles m'ont dit, ça serait une bonne chose. Moi, j'avais jamais pensé à cela. J'avais jamais réfléchi au fait qu'en effet, ça valait la peine peut-être d'essayer de travailler sur ça. Mais au fond, c'est extraordinaire. Parce que ces deux personnes-là m'ont ouvert à cette idée, qui m'a fait travailler dessus, qui m'a donné cette possibilité de commencer à transmettre dans ce domaine. Et je remercie HM de m'avoir permis d'essayer de partager un tout petit peu ce que j'ai reçu à ce niveau-là. Mais c'est extraordinaire. Parce qu'en vérité, si on réfléchit, les personnes qui sont à l'origine, c'était deux personnes qui ont juste parlé d'un point. Et à la base, elles ont mis en place un processus. Et vous-même, vous rentrez dans le processus, vous en faites juste partie. Il faut ressentir cela. Il faut ressentir profondément ce sentiment de reconnaissance vis-à-vis de personnes qui parfois dans votre vie vous ont donné juste une idée ou qui ont été là, qui vous ont présenté une personne ou alors qui vous ont dit un mot positif. Et ce mot positif, ça peut changer votre vie, ça peut créer une autre dynamique, ça peut créer une autre perspective et un autre regard. Et c'est extraordinaire. Ressentir profondément ce sentiment-là vis-à-vis de tout ce qui est à l'origine de quelque chose de positif. Et savoir s'en nourrir, savoir le faire exister profondément. C'est un travail, comme on l'a vu, qui n'est pas simple, parce que de par notre nature, nous fonctionnons autrement. Ce n'est pas notre nature. Donc si on réalise qu'on a tendance à considérer que tout est normal, etc., etc., pas d'inquiétude, c'est la nature profonde de l'humain. C'est la nature profonde de l'humain. Justement, c'est ce qu'on attend de nous, c'est qu'on arrive à faire ce travail véritablement par rapport à nous-mêmes. Demain, Bezrat Hashem, eh bien, on va continuer encore à travailler et à découvrir quelle est la seconde raison pour laquelle, eh bien, cette notion de Hakaratatov, de reconnaissance, n'est pas simple à installer dans notre vie. On réfléchira aussi après, beaucoup, sur tout ce qui se joue dans l'univers de la famille. Et on essaiera d'approfondir encore un petit peu plus toutes ces notions-là. En attendant, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie d'avoir pris le temps de pouvoir étudier ensemble. Bezrat Hashem, ce soir, eh bien, nous avons à 8h le cours
sur les Pirkei Avot. À 8h30, je donnerai un autre cours sur les enseignements du Temple de Jérusalem pendant une demi-heure. Sachez qu'il y a un programme spécial cet après-midi aussi pour les enfants. Donc vous allez recevoir tout par les différents groupes. Plein de bonnes choses. Merci encore à tout le monde et une excellente après-midi. Plein de bonnes nouvelles. Et Bezrat Hashem, qu'on entende que des très très belles choses des uns des autres. Kol Tov, à ce soir à 8h pour le shiur de Pirkei Avot et à demain Bezrat Hashem, à nouveau à 12h30 pour la suite du cours sur la Hakarat HaTov, la reconnaissance. Merci encore.